En tout cas, voilà, c'est parti pour ce Nevermind Metagame Emerdinger Jungle. What the fuck, j'ai pas changé de scène. Oh mon dieu! Oh, ça va, hein, vous avez pas râlé sur les RC. Oui, donc bref, on va refaire le truc. C'est parti pour ce Nevermind Metagame où je joue donc un Emerdinger Jungle avec notre très cher Jioxu Z Escati Balls, le vrai Escati Balls. J'espère que ça va bien se passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une petite tour au raid, je pense. Au bleu, pardon. Et après, on est parti pour faire le raid. Est-ce que j'ai le temps de faire l'aller-retour en 30 minutes? Je ne sais absolument. En 30 secondes, pardon. Merde, mais pourquoi mon perso s'est arrêté? Là, c'est une stratégie coréenne. Hein. On pose deux tours au raid, une tour au bleu. Comme ça, on fait le raid avec les deux tours et avec l'aide de la bot lane. Donc, ça se passe très bien, normalement. Et après, je fais le bleu avec deux tours et avec le raid buff. Enfin, ça, c'est une stratégie coréenne. Ne réfléchissez pas. C'est calculé à l'avance à ceux du Theorycraft chinois. Ah, vous voyez, elle la cache comme il fallait. Trop bien en fait, Emerdinger Jungle. Pourquoi les gens ne jouent pas ça au LCS, honnêtement? Et vous avez vu à quelle vitesse je viens de clean le red buff en claquant 0 potion quand même. Et honnêtement, quoi, pourquoi les gens ne jouent pas ça au LCS, quoi? Je suis impressionné, quoi. Waouh! Non, touche pas! Non, il a cassé une de mes tours. Non, l'idée c'est de ne pas faire casser les tours, comme ça vous pouvez vous pouvez jungle beaucoup plus vite, parce que si mes tours se cassent, bah, évidemment ça jungle moins bien. Bon, après c'est pas grave maintenant que je le smite, mais ouais, si vous essayez de faire avec Emerdinger Jungle, enfin, on dirait que j'ai joué Emerdinger Jungle toute ma vie quand même, hein, c'est assez impressionnant. Genre le mec qui te sort de Theorycraft, ouais, alors Emerdinger Jungle, ouais, vous tankez le premier coup de tour. La tour elle le prend. Merde, putain, j'ai fait de la merde, je sais pas jouer Emerdinger Jungle, en fait j'ai jamais joué ça de ma vie quoi, putain, je vous ai menti. Ah ah! Allez vas-y! Le combat de l'infini Emerdinger contre la vraie. Mais pourquoi je fais la vraie en fait? Je suis vraiment débile, j'aurais dû faire les loups. Ouais, vas-y, termine ça. En mode beau gosse, je regarde pas. Allez hop, ça crève tout seul. Ah, j'aurais jamais dû faire la vraie, je fais le con pour le coup, je vais essayer de faire un petit gank. Alors, les gangs d'Emerdinger, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble, ça doit être vraiment très pourri. Hein. Bah écoutez, on va essayer. Attendez, attendez. Go! Oh mon dieu! Mais est-ce que c'est OP? Elle prend le creep! Non, l'attaque ça n'a pas marché. Eh, franchement, c'était pas mal hein, le gank! High five! High five, coping! Mais c'est trop bien, j'adore! Honnêtement, c'était pas si mal, hein, franchement. Placer un stun, là j'ai mis les roquettes à mass burst, cette tour qui a complètement DPS. C'est beaucoup trop bien. Je pense honnêtement que Emerdinger Jungle, oui, c'est l'avenir. Voilà. Quelqu'un dans l'IRC qui vient dire il fait n'importe quoi. Et ça, c'est n'importe quoi? Bitch! On va dire n'importe quoi là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu tanker. Hop, voilà, c'est bien. On kite, on la fait brain. Et bim, on fait le penta kill. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le farm bot. Parce qu'apparemment, il se flame, donc c'est parfait là. Pour moi, c'est officiant niveau du farm. Et hop là! Oh putain, ça joue bien là. Les Emerdinger, le gang, vous le passez. Vous le sentez passer? Regardez, je vais brain. Regardez, je vais brain. Ah mon dieu, y'a pas de creep. Vas-y, tu te cheats là. Non, il cheat. En fait, j'ai oui, y'avait. Ouais, ok. I took some CS. It's fine. J'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était une très mauvaise idée. Non, mais je voulais brain le mec. Je pensais que le mec allait mettre un hook en mode je vais attraper. Genre, je voulais poser une tour, mais en fait, ça a échoué parce que le mec est venu au corps à corps, m'a mis un E et m'a mis le qui se fait après. Enfin, bref. C'est pas grave, on va la refaire. Don't blame Emerdinger. Là pour le coup, il y a des raisons de le blame. Hein, parce que je suis juste venu me battre pour mourir. Ok. Ah, c'est bizarre, pourquoi j'ai été déconnecté? Oh mon dieu, non, ma tour! Oh, elle est morte. Est-ce qu'il y a encore besoin d'aide mid lane? What the fuck? La Jinx, elle est vachement énervée quand même. Je pense qu'elle a ses règles, hein, parce que le mec, là, FF à 20 minutes, alors MFK, MFK. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va camper la bot lane, j'ai compris. Oh, plus j'ai mon blue buff à récupérer. Alors pour ceux qui disaient, ouais, ce gank était pas terrible, qu'elle était mort comme une merde, mais non.
C'était prévu à l'avance parce qu'en fait, mon blue buff allait bientôt fade, vous voyez? Oui, mais c'est bien que tu ping ça, Vayne, mais je suis un petit peu bot lane pour l'instant, je suis un peu occupé. Ah, c'est ward, fuck off. Non, mais en fait, ça va me permettre exactement de refresh le timing de mon buff. Donc pour l'instant, je peux pas avoir en gang puisque les mecs, pour une raison inconnue, jouent extrêmement safe. Alors, cette raison inconnue, c'est peut-être parce que j'ai été vu. Ça peut être une raison inconnue. Je vais tanker ça, je crois que ma tour crève. Je passe niveau 5. Et du coup, là, les gank avec les deux tours. Ma, elle est loin trop pé. Hein. Alors, l'exos qui a été claqué pour une raison inconnue. Non, mais honnêtement, bah, ils prennent des trades, ils les défoncent. Bah voilà, c'est quoi le souci? What the fuck? Mais elle a raté sa cage! J'ai raté ma bombe. Je vais prendre la pink. C'est bon, bah ils en sortent. Pourquoi elle a rage quit la Jinx quoi? Elle est tellement vénère dans cette game. What the fuck? Pourquoi le truc vient de s'éteindre? Oh mon dieu, y'a un spot qui vient de s'éteindre, ça fait vachement space hein. Hey, tu veux te fight? Hey, tu veux te fight? Hey, tu veux te fight? Allez, vas-y, je pète la gueule. J'ai complètement explosé. Ah bah non. Là je suis mort. C'est pas grave, on s'en fout. Jinx, suck my tower. Bruit. Est-ce que vous entendez ça? What the fuck? C'est quoi ce bruit honnêtement? Mais ça fait flipper! Est-ce que le studio va exploser? Il y a des chances. Alors, le petit gang du Z qui passe plutôt bien. Qui passe très très mal en fait. Hein. Ah, qui va donner un kill au plus et du coup la Jinx va vraiment FK. Bon voilà, elle fait un kill à Jinx, elle va pas râler la cochonne. Oh là. En fait, je voulais 1v1 la meuf, mais en fait, c'était pas du tout du 1v1 quoi. Elle avait complètement cheat la meuf. Oh putain, par contre, là j'ai pas se faire ma prendre mid. Non mais attends, ouais, attends. Vous avez vu le temps que j'ai. Le temps que. Enfin. Pendant combien de temps j'ai 1v1 la vague quoi? Genre j'étais ici pendant au moins 30 secondes quoi. La Jinx aura pu décaler quoi. Allez, ça farme beaucoup trop bien sur la tour. 5 sur 5. Yes, yes, hurry. I have important work to get back to. Ouais non, il s'est fait exos du coup, évidemment il aurait dû disengage un peu plus tôt. Pas ta faute hein. Ah oui, c'est ta faute dans le sens où il aurait pu disengage plus tôt, mais c'est pas ta faute l'exos qui a été claqué. Au final ça fait un kill pour la Jinx, du coup c'est bien, ça l'armait bien. Ouais non non, c'est la Morgana qui a pris le kill. Oh putain, la Jinx elle va être toute farouche là. Pour quelle raison le top... What? What the fuck? Ok, très bien. Oh putain, par contre là j'ai un kill à faire là. Oh oui. Belle ultime. Mais le mec a complètement flash out, ça m'énerve. Bah oui, bah il est parti très loin. Oh, mais pourquoi il s'est fait attraper par la tornade? Bah oui, non, il est parti quoi. Ah. Ah, moi ça check le blue buff, plutôt pratique. Ouais, bah écoutez, oui, bah oui. Merde, pourquoi j'ai mis un rang dans ma tour? Je ne sais absolument pas. Dans mes roquettes. Bon, pour le coup, Lucen il est où là en fait? J'en ai aucune idée. I stay base, mais ils sont sérieux les mecs. Mais go jouer, on a gagné la game, c'est du bronze. Non, c'est du silver il me semble. Attention. Yeah. Coup trop bien ce champion. Pourquoi bot lane ils peuvent pas essayer de deny up le mec puisque le Thresh est top lane là pour l'instant. Donc a priori en 2v1 ils peuvent quand même gagner les trades contre un mec qui est niveau 7. Elle est niveau 6. Je pense que ça va les mettre bien dans cette histoire en fait. Il est où le Medjay? Attendez, attendez. Évidemment, il y aura un Medjay dans cette game. Mais pour l'instant, la game se passe pas forcément très très bien. Comme vous l'avez pu remarquer, ça se passe pas forcément bien. Hein. 2-8, bon bah y a mieux comme performance. Personnellement, je suis à 1-2, donc oui, c'est vrai que je fais pas une game exceptionnelle. Mais vous allez voir que. Vayne, play please. And I will carry you all to gold. Je pense que c'est le niveau. Ou silver.
I am gold. Well, I carry you to plat. Voilà, oh, fais pas chier, connasse. Ah ouais, il faut que maintenant des kills. Bon, elle meurt, c'est pas grave, parce que la Jinx a quand même su récupérer un kill dans l'histoire. Par exemple, mid lane, ça se fait toujours autant défoncer la gueule, je pense. Assez étonnant quand même, le matchup est pas forcément mauvais contre un Yasuo. Hop, c'est parti. Donc la mid lane, ok, il y a toujours un Thresh pour une raison absolument inconnue. Est-ce qu'on peut pas tenter de faire un fight là? Si j'arrive à mettre une grenade keystone. Après mettre une grenade keystone, vous voyez la zone du truc quoi. Hein. Attendez! Ah mon dieu, c'est quoi ce truc? Mais j'ai complètement raté tout, mais j'ai fait quoi? J'en sais rien. Quelqu'un est venu dans le studio, j'ai dit attendez. Et je sais pas qui était là en fait, j'en ai aucune idée, hein, honnêtement. Genre le Père Noël aurait pu être là, que j'aurais dit attendez quand même. Et dire ça au Père Noël, ça se fait pas quand même. Je pense que j'ai vraiment fait n'importe quoi, il faut que je prenne des cours auprès de Bloomy95. Ok! À la base, ce que je voulais faire. C'était de lancer une bombe là qui explosait, mais le mec a dash dans tous les sens, ça m'a complètement saoulé. Je sais pas ce que fout ce Thresh honnêtement dans cette game quoi, le mec a pas de vie quoi, honnêtement. Bon, on va faire ça, on va back, allez on l'a tué en mode boss, parfait. Ah bah je vais prendre le farm top puisque la veine est AFK, parfait, je vais pouvoir complètement comeback dans la game. Très très bonne nouvelle. Hop. Cédric pour m'annoncer mon licenciement. Pourquoi? Parce que je jouais Merdinger Jungle, mais c'est trop bien Merdinger Jungle. Je pense que je pensais que j'allais vous impressionner tous. En fait, ça jungle pas mal, mais en fait, c'est les gangs qui sont pourris en fait. C'est ça le souci du jungler. Bah, lui, ce que j'aurais dû faire, c'est plutôt que d'essayer de gang comme un con, j'aurais dû farm énormément, genre acheter un Zhonya et dans les teamfights, elle genre beaucoup trop bien quoi. Mais le problème, c'est que dans cette game, tout le monde perdait sa lane. Genre tout le monde. La Vayne AFK, bot lane ça se fait défoncer, il y a un René que ton bot pour une raison absolument inconnue. Et mid lane j'ai gank mais ça perd quand même la lane. Donc là je peux pas être vraiment partout donc je sais pas, j'aurais peut-être dû ne pas gank du tout. Voilà, moi j'ai mon Medjay donc je vais commencer à gank. Ah là là. Alors... Oui, j'ai cru comprendre que le Yasuo était là, mais est-ce que je peux vraiment tenter de le 1v1 Est-ce que je peux tenter de le 1v1? Ça, c'est la grande question, j'en sais absolument rien. Non, mais en même temps, on a dit du 1v1 quoi. Mais qu'est-ce que la meuf foutait là quoi? Non, mais honnêtement, mais. Ça, c'était une mauvaise idée, honnêtement. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? NP. Laisse-moi. Genre, allez, laisse-moi 10 minutes. 10 minutes et je carry cette game, c'est officiel. Hein. Cette game va être win. Hein. On win la game, genre easy peasy. Là, vous êtes dit, bon, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce mec? Il joue Merdinger Jungle, il fait n'importe quoi. On va gagner cette game. Pourquoi? Parce que je le sais. J'ai lu dans l'esprit de Jésus que j'allais gagner cette game. Je veux vous prouver à tous que j'ai raison. Regardez, hop, voilà, ça c'est fait. C'est impressionnant tout de même, hein. Eh oui, hein, oui. Merde, j'ai pas smite et j'en point. Oh oui. On dirait qu'on aurait pu faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un Drake? On peut faire le Drake. En fait, je vais gagner cette game parce que j'ai dédos le Lucian. C'est tout simple. Après, quelqu'un a dédos la veine, donc au moins on se rend un petit peu à l'appareil. Allez, tant que ça avec Morgana, t'es un peu ma bitch. J'ai pas envie de tanker ça, le Z tank ça c'est très bien. J'ai pas smite, hein. No smite. By the way. Et évidemment je le dis quand on engage. C'est bon, y'a pas besoin de smite. Le Z avait son smite donc tout va bien. Ce qu'on pourrait faire maintenant c'est de c'est faire les Wraiths, ça je pense que c'est un bon objectif de team. Ou de check ça s'il y a quelque chose. Ah, évidemment elle a laissé les petits quoi. Mais quelle idée de laisser tous les petits mobs, à part pour faire chier. Ah bah je pense que c'est l'idée en fait. Non, quel méchant. Oh, est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant là? Oh oui.
Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un kill là? Oh mon dieu! Allez! Mais faites quelque chose, bon sang, bonsoir! Mais tuez! Tuez! Oh merci Jésus! Oh là là, une stack au moins dans l'histoire. Quand même, j'ai mis ma tour et genre les mecs ont pris zéro dégâts quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le délire? Ok, tout va bien. Ah mon dieu. Well play Vayne, Lucian AFK. Ouais, bah voilà, au moins c'est bien. C'est du 4 contre 4 quoi. Y'a pas d'autre cheat. C'est du 4 contre 4 donc personne n'est avantagé. Et. Après, a priori, ils font quand même pas mal de choses là. C'est vrai que. Oh merde, j'avais pas vu. Non! Oh, je vais KS. Non, je suis pas su KS. Ouais, je suis occupé en train de faire les walls. Enfin, allez vous faire foutre. Ah, c'est bien, ça, c'est... je suis le seul. Je suis le seul AP dans la game. Enfin, le seul AP dans. Ouais, dans toute la game en plus. Waouh! Et du coup, si j'arrive à build full AP et à défoncer tout le monde, a priori, je peux peut-être espérer de... What the fuck, le Yasuo? Pourquoi le Z a back là, honnêtement? Il a vu Yasuo venir, il a complètement genre mode... C'est bon! Il ne me voit pas! Non, en fait, tout le monde te voit. Faut que j'arrête de regarder ton stream. Oui, Z! C'était une très bonne idée, ça j'approuve complètement. Ok, c'est parti, je suis bientôt niveau 11 en plus, donc c'est pas si mal. J'ai une stack de Medjay, donc c'est vraiment de la merde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider la Morgana qui va se faire complètement déchirer. Non mais... Allez, outplayed. Elle peut pas être sérieuse cette Morgana de rester mid comme une conne en disant c'est bon, Yasuo, je le tiens. Non mais non. Mais what the fuck c'est les gars? Mais Jinx, move your ass. Elle, je pense qu'elle voit pas que c'est la mid lane pour l'instant qui est un petit peu focus quoi. Ah ah, oh non, il est revenu. Oh, on a perdu la game en fait. Ah, pendant des beaux traps qui sont posés, je pense qu'elle peut faire le kill assez facilement. Si elle touche aux zap, ça dépendra. Ah, elle a touché aux zap, bon quoi, elle fait le kill. Oh non. Hein, peut-être. Ah non. Oh dommage. Ah dommage, elle a quand même posé de beaux traps. Elle a mis un critique mais ça n'a pas suffi. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter, donc, je vais acheter un Zhonya. Attends, je suis tellement loin du Zhonya quoi. Chargé, allez. Il manque combien de gold pour mon Zhonya? Allez, ça fait un double kill dans l'équipe, parfait. Il manque, allez, 2500 gold pour le Zhonya, c'est parfait. Je l'aurai d'ici 4 ans. Hop. Ah, ça clean quand même bien hein. Moi je pense qu'il y a un petit potentiel pour ce champion. Fetch check! Non, personne. Non mais elle est. Non, 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 t'es mort. Hein. Adieu. Pourquoi elle a de rester mid lane avec 2 points de vie? C'est une très très mauvaise idée de faire ça globalement. Ça lui apportera que du mal dans sa vie. Même pas besoin de regarder les mobs pour les tuer. Ah merde, est-ce que je suis mort là? Aucun souci, je suis complètement full HP. Rire toi? Tu veux m'un V1? Évidemment personne ne m'un V1, un Everdinger en rage. Ça déjà c'est à moi. Merci beaucoup, esclave. Oh putain, il a pas le T. Ok, très bien. Alors, ils font pas mon bleu quand même là, les mecs. Ils font complètement mon bleu, hein, by the way. Mais ils ont retombé. Putain, j'ai le même niveau que la Jinx. Alors dans quel niveau j'ai le même level que la Jinx quoi? What the fuck? Et qu'est-ce que le mec fout là quoi? Ah, de belles roquettes. Plutôt fier de moi. Oh oh oh! Et pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop, ça je smite comme ça j'ai les gold. Ok, j'ai mis un outil de merde, hein, je le reconnais. Là 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 là! Oh! Oh, cette cage! Et c'est parfait comme fight là! C'est juste parfait!
FF Retard. Non. Jamais je vais FF cette game, quoi. Jamais Jay a 5 stacks. What? J'avoue qu'il y a un truc chelou qui vient de se passer là. C'est que la Vayne, je pensais qu'elle était déco ou AFK, mais en fait elle est présente dans la game, quoi. Elle nous regarde en train de jouer, regardez ça. Et il y a eu 2 sur 3 votes, donc ça veut dire que... Enfin, 2 votes positifs, 3 votes négatifs. Donc ça veut dire que la Vayne est présente. Et elle, genre, elle nous regarde en train de jouer. Et elle voit qu'on fait quand même un bon fight, quoi. Sans elle, c'est du 4v5. Et on fait quand même un fight plutôt correct. Il y a 12-18, hein. Et la meuf est vraiment, genre, en mode... Je les regarde jouer, j'attends, quoi. Quelle grosse... Ah, je vais pas commencer cette vulgaire, mais voilà, quoi. C'est... Je pense que les gens ont clairement... Non mais, non, mais non, ça c'est mes briefs, hein. faut arrêter d'exagérer, monsieur. Est-ce qu'on peut vraiment teamfight là-dessus? La réponse est non. Je pense pas que... Putain, j'ai un level d'avance par rapport à la Jinx, quoi. What the fuck, quoi. C'est beaucoup trop bien. Complètement en train de loud jungle, en fait. Oh, la veine, quoi. Oh mon dieu, ça va fight, attention. Mais c'est du 4v5. C'est vrai qu'on a gagné le fight, mais c'était par chance, je pense. Ah, elle est vraiment conne. Hein. Allez hop, casse-toi, bitches. On va aller exploser en fait. Mais est-ce qu'on peut gagner cette game, quoi? Mais vraiment, lui qui speed push, putain, non. Ne dis pas que c'est ce genre de game où les mecs ils sont tellement nuls qu'en 4v5 ils vont être obligés de speed push pour gagner, quoi. Oh non. Oh non. Oh, c'est clairement ce genre de game. Allez hop, dans ta face Yasuo, chiasse. Ah là là là, ils ont l'air vachement cons en face, hein. Et n'empêche, vous voyez que quand on se met un petit peu à tryhard, à réfléchir un peu à nos actions, les games apparaissent tellement plus simples. Et Emerdinger, c'est vraiment pas si mal que ça. C'est vraiment très fort en fight, en fait. C'est vraiment très très fort en teamfight. Dès que j'ai mon zonage, je peux poser mes 4 tours et genre attendre, genre en mode allez allez, faites le travail à ma place. Enfin c'est le, oui, c'est le principe d'Emerdinger. Et j'ai maintenant 2 levels d'avance par rapport à la Jinx, la Vi, pardon. Donc tous les gens qui disaient ouais il fait de la merde, il joue mal, allez dans votre face. Non, je suis en train de out jungle une Vi qui était genre tellement bien dans sa game. Je la out farm complet en fait, je suis 15 fois plus utile qu'elle. Ah, je suis plutôt fier, ça va, la performance est quand même assez bonne. Enfin, c'était très très nul en early, je dois le reconnaître. Et je me suis fait un petit peu peur aussi. Ça va plutôt bien Emerdinger en plus, regardez ça. Oh mon dieu, j'ai raté un creep. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Non, non, non. Oh, ben elle a mis une belle cage. Est-ce qu'on pourrait pas faire un Drake? Tiens, le Drake est toujours open depuis un petit moment. On l'a toujours pas fait. Panagi! Ok. Pff, la pression là. Je pense qu'ils vont jamais teamfight en fait, les mecs. Ok. Ils vont jamais teamfight les mecs parce que je pense qu'ils ont peur en fait de perdre cette game sur des mauvais fights. Parce que clairement ils ont fait genre 2-3 mauvais fights. Et même en 4v5 ils sont incapables de gagner, quoi. Oh putain, les dégâts de la tour. Mais ils sont en train de speed push, regardez ça, je le savais. C'est ces genres de mecs là qui sont genre incapables de gagner un putain de fucking game en 4v5, quoi. Non, what the fuck, cette roquette, je voulais pas la mettre là. En fait, c'était fait exprès de rater la roquette, hein, évidemment. Parce que après, j'ai bait. Le brain. Enfin, vous comprenez ce système de brain. Mais regardez la Vayne! Regardez-la, c'est fait, mais crève! Putain de merde, quoi! C'est une blague. Mais c'est, elle est pas vraie. Eh non, mais c'est pas possible, quoi. Je pense que c'est un rêve. Hein. Elle peut pas être réelle, cette Vayne, quoi. Genre AFK complet. Alors que si on était en 5v5, je pense qu'on leur latterait la gueule, quoi. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas réel. Oh mon dieu, je peux aider la Jinx. Non, 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 fais pas 4, non, non. Oh, j'ai tué un Renekton, voilà. Oh, c'est des gars. Est-ce que je peux le tuer au red buff?
Non! Je vais te battre, Red Puff! Oh, je meurs en plus. Non, 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 non! Allez, je m'en sors. Oh, je pensais le tuer au Red Buff, en fait, non, pas du tout. Oh, tellement déçu. Pas loin, n'empêche, hein. Pourtant, en 2v1, j'ai quand même très maintenu. Bon. J'ai pas autant de dégâts que je l'imaginais. My bad. Je vais jouer un peu plus, comment dire, un peu moins greedy. Et j'ai un peu... Non, j'ai pas arrêté le spell pourtant, c'est juste que ouais, le mec s'en est sorti à très peu de PV. Il a claqué une potion, il a eu de bons réflexes et du coup, il s'en est sorti grâce à ça. Non mais, elle est sérieuse la meuf. Non, on va pas surrender cette game, on va la gagner. On va la gagner les gars. Tout va se passer. Alors, hop. Ok, je pense que quelqu'un vient de voler mon blue buff, après je suis pas sûr. Par contre lui, non, il meurt lui. Vas-y, il a 0 balls quoi. Regardez ces mecs, c'est du 4v5, ils osent même pas s'avancer. Il faut qu'on les split push. Il y a un mec qui est top, il y a un mec qui est bot, mais ils ont. Mais non. Alors, Electon, je vais lui péter la gueule à la mexicaine, il va rien comprendre. Non. Oh merde, faut peut-être que j'ai de. Ouais, non, faut que j'ai de la Jinx. Faut pas la laisser dranguer toute seule. Ah. Je mets l'auto-attaque. Mais what the fuck, il fait trop mal. Ah. Pardon. Ah, il fait le kill a priori. Allez, appuyez sur R. Non, il fait pas le kill. Oh merde. Jinx, are you really blaming us while Vayne is AFK? What the fuck, il m'a explosé la gueule, j'ai même pas eu le temps de zonia. Je voulais zonia genre juste après qu'il lance Eternal, mais en fait il m'a tué pendant ce temps là. Je me suis dit ok, très bien. Elle est pas sérieuse, la Jinx the blame genre mon petit Z et moi même. Alors qu'elle est pas forcément meilleure, elle est à 5-5, je suis à 5-5, donc bon, elle a les mêmes stats a priori. Oh, le double stun. Oh, c'est le double stun. C'était stylé ça. Pas mal. C'est pas mal les Vernigers, hein. Tu peux mettre des double stuns assez facilement. Ah, elle a l'air d'être vraiment très bête. Hein. Ah, est-ce que l'ulti va assez loin? Ah putain, elle va se casser avec son jump. Ok, what the fuck ce stun pourri. Bon, ça va. Du coup, au niveau des stacks, j'étais un petit peu mal, mais là je suis revenu. Tout va bien. Alors. Ah merde, c'est fight. Ok. Mais en fait, il est mort lui. Le mec a vraiment flash pour éviter mon stun. Est-ce une blague? On le tuera jamais, hein. Vous êtes conscient ou pas? Non, on le tuera jamais. Non, insistez pas, on le tuera jamais. Le mec a quand même flash pour éviter mon stun quoi. Je pense que même même si mon stun avait proc et avec mon ultime derrière, il ne serait jamais mort. Hein. C'est vrai que j'ai lancé l'ulti en fait avec les roquettes, c'est parce que je pensais que le stun avait touché. Mais bon, il a évité avec son flash, shit happen. Là, ils ont quand même un petit peu de résistance magique, donc je pense que j'ai le droit de partir sur un bâton du vide. À la base, je voulais faire un peu de CDR avec un Morello ou un Athen. Non, ne surrender jamais dans cette danse. Nous ne sommes pas français, nous ne nous rendons pas. Nous sommes belges, nous battons jusqu'à la mort. Ok, ce qu'on va faire, c'est que... Je sais pas. Ils vont quand même faire un baron un jour ou un autre, quoi. Si les mecs, ils ont un semblant de cerveau dans leur crâne. Allez, merci. Est-ce que je peux laisser les creeps mourir? Oh, elle va le voler. Vas-y, fais le faire. Ah, je vais rien dire parce que elle est vachement tendue et je pense qu'elle a ses règles. Mais bon, tout va bien. Oh, mais il y a un copain là, parfait. Oh shit. Oh, il y a un fight qui se prépare là, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un fight qui se prépare. Oui, non, le Z va un petit peu loin quand même. Oh, ça slow! Triple kill! What the fuck? Mais non, mais regardez Yasuo, je le hais! Ok, il peut défendre, moi je peux prendre la tour, peut-être.
Mais il est relou, Yasuo, il a pas de vie, quoi. Mais sérieusement, mais regardez-le. Et il est fier, le mec, il est fier. Oh là là, je le hais. Mais Jinx, qu'est-ce qu'elle fout? Mais Def, mais je pensais qu'elle avait back, la meuf. What the fuck? Mais elle est pas sérieuse, la Jinx? Tout ça pour me prendre un peu de farm? Non. Enfin, c'est vraiment une poubelle, Vayne. C'est pas plus mal qu'elle est AFK. Ok, on peut peut-être défendre l'inhibiteur finalement, tout va bien. Oh. La Vayne qui commence à jouer quand les mecs sont dans notre base. Alors merci Vayne, c'est très sympa de ta part. Là. By my calculations. Ok. Est-ce qu'ils ont encore pris mon blue buff que les mecs? Non, ils auraient pas osé de prendre mon blue buff, je pense pas. Ok. Alors la Vayne, est-ce qu'elle va commencer à jouer? Ça c'est la grande question. Elle a juste fait une action depuis un petit moment, donc a priori elle va peut-être commencer. Est-ce qu'on aurait pas pu faire Nashor, j'avoue? Le truc c'est qu'on a pas vraiment beaucoup de dégâts. Non mais c'est très risqué de le faire maintenant. Bait! Non mais bait, on bait pas, on bait. Non, 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 j'engage pas là-dessus. Non, 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 non. Après on a pas de trinket rouge. Elle a pas de trinket rouge alors qu'elle a sa stone depuis au moins une heure. Alors ça je ne le critique pas. Alors elle est complètement morte. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Alors l'ulti fait 9, mon smite fait 900. Oh mon dieu, la fin d'Ashor. On a complètement défoncé Nashor, excusez-moi. Oh, j'ai stun. Alzania. Ah. La Vayne commence à jouer. Oui. Oui. La Vayne est vivante. What the fuck, ces dégâts! Oh. Elle est vénère, la meuf! Elle est tellement vénère! Elle est tellement vénère! Oh. On va gagner la game avec une base qui a genre AFK pendant tellement longtemps! La Vayne joue! La Vayne n'est pas morte! Oh. Quel plaisir! Quel bonheur! Ouais, est-ce qu'on peut. Ah oui, mais en fait, oui! Oh, ces dégâts! Oh là 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 là, du viol avec des tours. J'ai rarement vu ça, mais ça peut arriver. Avec des roquettes, pardon. La bande, j'ai un peu. Ouais, peut-être qu'on devrait back après ça. La Vayne, 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 Vayne. Je sais que t'es un peu énervé dans cette game, je sais que t'as tes règles, mais fais pas la conne, merde! Oh non, elle continue de faire sa conne. On sait pas, au moins elle nous a aidé à push à tour. Merci beaucoup, Vayne, pour ça. Donc, nous sommes éternellement reconnaissant. J'avoue que la Vayne, si elle avait juste joué et qu'elle n'était pas trop morte, je pense qu'elle serait vraiment OP quoi maintenant. À 35 minutes de game, c'est vrai qu'une Vayne ça peut carrer des teamfights tout seul quoi. Alors est-ce qu'ils vont vraiment push la mid lane alors qu'on est genre beaucoup trop bien dans la game? Je pense pas qu'ils puissent push la mid lane. Hein. Genre jamais de la vie ils vont push la mid lane. Juste poser mes petits tours là. Voilà. Et si j'ai besoin de défendre l'inhibiteur, bah je vais être là pour défendre l'inhibiteur. Non, ils peuvent pas push. Alors le Z, un petit peu risqué ce qu'il fait là. Bah, c'est trop bien avec Murdinger pour tenir on va dire au niveau du push. Oh, les tours qui sont passés loin. Oh bah allez bon. Là ça marche avec les spells aussi. Il faut absolument mon Rabadon. Quand j'aurai mon Rabadon, j'aurai genre 800 AP facile. Avec 800 AP, ça fait masse dégâts. J'ai Theorycraft, ça fait beaucoup de dégâts. Ah, Marguerite fait combien de dégâts avec mon Lune Team? Elle fait des dégâts complètement fous. 800 plus 1200, ouais, 2000 dégâts avec le Z. Si j'arrive à mettre ça avec l'ultime, plutôt solide. Hein. Est-ce qu'on peut pas push la mid lane Z top? Oh, c'est dégâts. Ok. Go prendre l'inhibiteur ou go finir la game. Mon dieu,
Mais dans quel monde on peut gagner cette partie? Je ne sais pas. Pourquoi? Oh! Mais regardez ça. J'ai acheté un média alors que j'étais à 0-10. Et est-ce qu'il serait pas à 25 maintenant? Ok, faut défendre la Jinx. Et la Jinx est morte, on a perdu le fight. Alors elle, c'est la reine des connes, hein. C'est vraiment ouf. Non, j'avais pas le temps de Zonia, il m'a flash à la gueule. Est-ce qu'on peut pas finir la game en fait? Ah, y'a Yasuo dans 15 secondes, c'est un peu risqué. Risky, hein. Là, j'aurais dû Zonia, genre bien avant ça. Au final, j'ai mon Rabadon. Il a 14 stacks, mon Medjay. Putain, je vois qu'il me vantait de mon Medjay qui était à 20. Quelle tristesse. Ouais, ouais, calmez-vous, calmez-vous. On bat tout le monde. Oh. Ouais, j'ai acheté Media quand j'étais à 1-2 et que genre la veine était déco, il me semble. J'ai acheté Media à ce moment-là, mais je savais qu'il allait être stack. Vous savez pourquoi? Parce que Media il y a 1-4, on me dit. Ah, 1-4, 1-2. Non, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien, très cher Vayne. La veine n'a pas l'air d'être fofolle quand même. Elle est revenue dans la game, mais limite c'était pas plus mal quand elle était déco. Après, il y a bien un moment où elle va être utile, quoi, j'espère. Un jour. Oh, il y a mon bleu buff. Oh putain, un bleu buff dans la game, c'est trop. Je n'en peux pas. Je n'en puis plus. Je n'en puis pas, ça ne veut rien dire en fait. Alors, ça, ça va être pour moi. Ouais, faut pas exagérer, mais très cher. Est-ce que je le tue? Je savais que ça allait arriver, hein, ça, au fait. Genre je me dis, tiens, est-ce qu'il va avoir le réflexe de poser son wall? Je tente, parce que si jamais il a pas le réflexe, je le one-shot complètement avec mon ultime, hein, ça c'est sûr, il fait genre 2300 dégâts il me semble. Bon et là s'il a eu le réflexe, bon c'est pas très compliqué d'avoir le réflexe pour éviter ça, hein, globalement, mais... Je sais pas, je vais tenter, au final l'ulti qui a genre 40 secondes de CD, il est déjà bientôt revenu, c'est bon, mais... pas très important. Enfin l'ulti est très important, mais l'ulti de CD est très faible, donc ça va. C'est pas bien grave que je le perde là-dessus. Du coup, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut push une autre lane que la mid lane? Ou alors on attend Nashor qui est dans 1 minute 30. Je sais pas. Tu veux te fight pas? Fais gaffe, j'ai des tours, hein. Et je rigole zéro, mec. Oh, vas-y, tryhard complètement invité en les stun. Oh, par contre, lui, si je stun le. Comment dire? Oh regardez les dégâts que j'ai mis sur la veille. Elle est quasiment morte. Et pourtant elle a une négatron. Et je l'ai quasiment one shot. Oh alors lui. Alors lui il a rien compris à la vie, hein. Par contre la mort il est plutôt bien. Allez hop, fais tuer Kite dans les tours, meurs. Merci beaucoup, au revoir. Oh les dégâts n'empêchent de la roquette, c'est vraiment absurde, hein. Allez hop, meurs. Et le reset. Oh là 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 là, what the fuck, cette game on va la gagner. Allez go. Vas-y, tryhard avec cette mur. Il tryhard beaucoup trop. Oh, le Z. Le Z, on l'avait oublié. Allez, on le défonce lui. Oh mon dieu, c'était. Oh, le Zonia. Tout bien. Et pour le faire, le beau gosse, on flash à la fin. Cette game était planifiée depuis le début. Ah là 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 là, je suis plutôt fier de moi. Honnêtement, la Jinx a vraiment carré. La Jinx a vraiment carré, je dois le reconnaître. La Vayne aussi a bien joué, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans cette game, mais en fait, en étant AFK, en étant donc en 4v5, les mecs se sont dit c'est bon, c'est des grosses merdes, on va prendre les fights, genre même si on fait une lignage pourrie, on y va, c'est du 4v5. Eh bien non, pas du tout. Donc ça, c'est grâce à la Vayne, et c'est pour cette raison là que je vais honorer la Vayne en mode friendly, parce qu'elle était très friendly aussi. Cette game n'a aucun sens. J'adore la Jinx quand même au début qui, genre, à une ou non, 2 minutes de game, a dit FF20 hors AFK. Elle est quand même vachement tendue. Et où les dégâts? Bon, je pense que la Jinx est devant, mais je pense que je suis deuxième, hein, sans trop de difficultés. Et Vayne aussi. En fait. La différence entre moi et Jinx, c'est un peu les dégâts de la veine quasiment. Tu peux tester.
Ah, je veux te... Non, ça va, ça s'est bien passé. Je suis assez heureux et du coup, mon Jai, c'est terminé avec 20 stacks.